Monsieur le ministre, les Sénégalais gardent de votre passage au ministère de l'Intérieur un mauvais souvenir, surtout en matière d'organisation des élections. Après les locales de 96 que le président Abdou Diouf avait qualifiées de non-élection, nous avons vécu une mascarade lors des élections législatives de 2017 et lors de la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences de la prolongation des mandats des élus locaux que vous avez voulu programmer en 2022 ou 2024. Le projet de loi tel que voulu par le président de la République ne donnait aucune limite, ne fixait aucune date, mais non plus ne déterminait aucune période. L'idée de renvoyer les élections au calendrier grec habitait-elle la tête de M. le président de la République ou avez-vous eu l'accord des dialogueurs? Monsieur le ministre, vous aviez affirmé du haut de cette tribune que c'est l'opposition qui avait proposé le report de ces élections locales. J'aimerais en être édifié. Monsieur le ministre, notre parti, le Parti démocratique sénégalais, son secrétaire général et ses militants et sympathisants ont payé un lourd tribut pour aboutir au Côte Kébambaye, qui a produit deux alternances démocratiques. Monsieur le ministre, depuis le 7 juillet, les Sénégalais attendent l'installation du comité de pilotage du dialogue national. Le 13 novembre dernier, la presse nationale a précisé que son installation se ferait dans la semaine qui suit. Sans vous exiger, monsieur le ministre, le fast-track dont vous glorifiez tout le temps, quand est-ce que cette installation sera effective? Monsieur le ministre, relativement à la sécurité publique et la lutte contre la criminalité, notre pays a traversé une période très difficile. Le banditisme professionnel s'installe pérennisément dans notre vécu et il est très présent dans la banlieue. Pikine et Guédiawaye en ont subi les conséquences. Monsieur le ministre, à Dakar, on cambriole les établissements financiers le jour et avec des armes militaires. À Touba, des artisans et récemment une bijouterie. Monsieur le ministre, avant-hier, c'était Gandong, Rao et Pal qui ont subi le même sort. Monsieur le ministre, je ne peux pas nommer Kerbaka qui a été cambriolé récemment et en plein jour. Monsieur le ministre, notre police aujourd'hui, ñepp tagnañ len ay jambar lañu. Waye monsieur le ministre, nak defena bu fekente ni dañuy am ay tolof te yaakaruñu kenn ku dul ci police. Des fois nga wote ben poste de police ñu dal amuñu carburant. Monsieur le ministre, lolu bëggon nañu remédier ci. Monsieur le ministre, vous faites qu'il y a une manifestation étudiant, que ce soit dans l'université de Bambay, ou à Dakar, ou à Saint-Louis. Il y a des gens qui ont été faits, 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 qui ont été brutalités, qui ont été faits. Une manifestation, donc, monsieur le ministre, qui ont été gérée, c'est une stratégie. Il y a des brutalités, mais il y a des férocités. Parce qu'il y a des gens qui ont été sévères tout le temps, de voir qu'ils ont été dépassés à l'orée de ce fin au troisième millénaire. Monsieur le ministre, notre police aujourd'hui, ne peut constater encore. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes recrues, mais mise à niveau d'une assez parce qu'on a amené une bévillon à maintenir des nous mise à niveau d'une séparée. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons de l'équipement en matériel des sapeurs-pompiers. D'accord, équipement on a ouais, de fait, on a amené l'intelligent. Monsieur le ministre, j'aurais bien aimé savoir et la représentation nationale doit savoir. Nan l'un des faits partage au niveau des collègues, au niveau des localités. Monsieur le ministre, sur l'incendie de La Rochette. Vendredi passé, là, et ça a été très lourd à plusieurs points de vue. Monsieur le ministre, et cela pose l'application des mesures légales et réglementaires dans les lieux de service recevant du public. À ce niveau, monsieur le ministre, un contrôle est nécessaire, surtout du côté de Djamniado. Monsieur le ministre, renforcer la sécurité. L'Assemblée nationale aussi doit renforcer la sécurité. Ce qui est le plus et je pense que le président Moustapha Cissé le ministre, c'est le principal concerné. Si on a une sécurité, on peut avoir l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, et rappel pour rappel, le Conseil constitutionnel a dit qu'il y a un report d'élection. C'est ce qui est privilégié pour faire 7 ans et 5 ans. Monsieur le ministre, le Conseil constitutionnel, qui ne peut pas avoir un mandat, mais qui ne peut pas l'avoir. Je veux comprendre ce qu'il faut, monsieur le ministre, parce que la décision qui vous permet de faire 5 ans, cette décision bobu ngeen bëgg régné ndax décision bobu limu wax dafa lèr nañ kèn dootul wañ kèn waye kèn dootul yok. Monsieur le ministre, défé na lolou buñ ko waxé moy tane rek reniement bi ñuy sentir tout le temps donte nak mëna nek avantage pour yeen mais askanu Sénégal. Je vous remercie madame la présidente. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Nango Sek Ibrahima Abou.